Il y a des parcs qui ne ressemblent à aucun autre. Les flâneurs y ont en commun d'aller boire à la même source. Écoutons le maire de Vittel. Bien, le thermalisme est de tradition à Vittel. Il s'agit d'un thermalisme ancien qui est fondé sur une crénothérapie, c'est-à-dire sur une médecine thermale très stricte. Ici, les vertus de l'eau ne tiennent pas à la mode, même lorsqu'elles ont une histoire, les sources n'ont pas d'âge. Nous allons, si vous voulez, reprendre le Second Empire, la période du Second Empire. Bon, les ministres des Affaires étrangères y venaient, on y faisait de la politique. Tout ce courant mondain, politico-mondain, s'est poursuivi, bien sûr, avant la guerre de 14, mais aussi avant 1939-1940. L'éruption de notre temps ne risquait-elle pas de déranger des fantômes au charme un peu fané? L'audace de Vittel sera d'avoir osé vivre aujourd'hui dans le décor de son passé. En apparence, rien de changé dans les palaces de la Belle Époque. Tout est luxe, calme, douceur de vivre, et le superflu y reste, tout comme autrefois, une chose des plus nécessaires. La surprise, à la réception, une hôtesse du club Méditerranée a pris la place de l'homme aux clés d'or. La révolution, des buffets comme des cornes d'abondance, ont rendu le maître d'hôtel parfaitement inutile. L'innovation. Ici, les enfants sont aussi libres que leurs parents. Ils ont leur mini-club à eux, et comme papa et maman, la possibilité de pratiquer une multitude de sports inhabituels sous la direction de moniteurs spécialisés. C'est ainsi que, sans faire table rase, sans rien détruire d'une nature attachante, l'ancienne ville d'eau s'est mise à l'heure de son temps. Aujourd'hui, plus que jamais, Vittel tient la forme, et comme on ne va pas forcément aux eaux pour en boire, les 450 hectares de l'île verte se sont ouverts à une nouvelle vague de curistes. Ceux qui fuient les sirènes d'un monde intoxiqué, et que les innombrables activités du club entraînent à découvrir avant la lettre la future civilisation des loisirs. Palace donne directement sur le golfe, il semble sorti d'un roman des années folles. Le mariage réussi entre le charme d'un passé révolu et la vitalité de notre monde effervescent pouvait sembler difficile à certains. Alors, l'évolution de Vittel est un exemple et valait bien d'être comptée.